ravie de vous retrouver. Bonjour Luc, de quelle parabole allons-nous parler aujourd'hui? Eh bien, les vignerons infidèles. D'accord. Alors, c'est le printemps, pour ça que nous avons un beau bouquet. Oui. Enfin, je dis ça pour que nos auditeurs situent, même s'ils écoutent dans 15 ans, dans 20 ans, nous sommes au printemps 2023, au moment où nous enregistrons. Alors, les vignerons infidèles, c'est Jésus, bien sûr, qui énonce cette parabole. Donc là, c'est la version dans l'évangile de Matthieu. Écoutez une autre parabole. Il y avait un homme, maître de maison, qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, y creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis il la ferma à des vignerons et quitta le pays. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de sa vigne. Les vignerons, s'étant saisis de ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Il envoya encore d'autres serviteurs, en plus grand nombre que les premiers, et les vignerons les traitèrent de la même manière. Enfin, il envoya vers eux son fils, en disant « Ils auront du respect pour mon fils. » Mais quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux « Voici l'héritier, venez, tuons-le, et emparons-nous de son héritage. » Et ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne, et le tuèrent. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ses vignerons? Ils lui répondirent, ceux qui écoutent Jésus, il fera périr misérablement ses misérables, et il affermera la vigne à d'autres vignerons, qui lui en donneront le produit au temps de la récolte. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu, et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en prendra les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Longue parabole, oui. Avec un échange entre Jésus et ses auditeurs. Le langage de la vigne est connu des auditeurs de Jésus, puisque Ésaïe, un prophète majeur, écrit un cantique sur la vigne du Seigneur, qui commence ainsi, « Je chanterai à mon bien-aimé, le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. » Et il dit les mêmes choses que dans la parabole, c'est-à-dire que les soins qui sont donnés à la vigne, c'est une haie, donc qui délimite la propriété, mais qui empêche aussi les animaux sauvages de rentrer dans la vigne. Un pressoir, c'est-à-dire l'outil de travail, pour qu'on puisse transformer le jus de raisin, enfin là, plutôt qu'on puisse écraser les grappes, pour que ça devienne du jus de raisin, et après vinification du vin, et une tour. Alors c'est là que la tour... À quoi ça sert la tour? Voilà, elle peut avoir plusieurs fonctions, c'est-à-dire que la tour, c'est la tour de guet, donc il permet de voir des ennemis qui viendraient de loin pour essayer de s'emparer de la vigne. Donc ça montre un besoin de surveillance. La tour peut être aussi un lieu de stockage du jus de raisin, du mou en cours de vinification. Mais surtout, une tour est faite avec des pierres. Et alors? Et alors, d'où après, Jésus qui rebondit. Sur la pierre. Et oui, n'avez-vous pas lu, n'avez-vous pas lu que la pierre, la principale de l'angle, elle a été méprisée par les ouvriers. Qu'est-ce que ça veut dire, principal de l'angle? Alors, quand on bâtit un édifice, l'architecte, le géomètre,
On part d'une pierre. Et c'est de là qu'on va tracer les perpendiculaires. Tout le reste va... Voilà, c'est la référence. C'est le point de référence. D'accord. Et on va mettre 10 mètres à l'est, 20 mètres à l'ouest, et bâtir l'édifice à partir de la pierre d'angle. Sur ce fondement. Sur ce fondement. Mais qui est à la fois fondement, donc la pierre n'est pas plus solide que les autres, mais elle sert de référence. Quand on va faire le cadastre, on va dire, voilà, c'est là que commence le bâti, ou c'est là que commence la propriété. Donc c'est la pierre de l'angle, sachant que, par exemple, en Ardèche, c'est les mûriers qui servent de balise pour dire, mon terrain s'arrête ici, pas les murs qui donnent des ronces, mais l'arbre mûrier dure très longtemps, qu'un tronc très épais, et il ne faut surtout pas déplacer le mûrier, parce que c'est lui qui fait la borne de géomètre, par exemple. Alors, autre chose pour être dans le sens premier de la parabole, c'est pas au hasard que Jésus dit trois serviteurs, il en envoie trois, et puis beaucoup d'autres. Donc c'est une allusion au prophète, allusion très nette, des trois premiers prophètes sont des prophètes majeurs, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, qui tous ont été malmenés par le peuple d'Israël, qui les a quand même reconnus comme prophètes, puisqu'il les a maintenus dans ses livres saints. Et toute l'ambiguïté de leur vivant, ils ont été maltraités, mais les rabbins ont consigné leurs écrits dans les livres saints, qui font partie de ce que nous, on appelle l'Ancien Testament, et de ce que les Juifs appellent la Bible. Et puis ensuite, il y a ce qu'on appelle les petits prophètes. Amos, Michée, Osée, Zacharie, Malachie, Habacuc. Donc c'est tous ces serviteurs dont Jésus parle qui sont venus après. Et ils ont subi le même traitement que les premiers. Et ensuite, il y a le Fils. Alors le Fils, c'est Jésus lui-même. Là, il parle de lui-même. Là, il parle de lui-même. Il envoie son fils après avoir envoyé des prophètes. Dieu envoie son propre fils. Espérant. Mais le fils qui est annoncé, c'est le Messie. Donc, espérant qu'ils auront du respect pour mon fils. Et ce n'est pas du tout ce qui se passe. Ce n'est pas du tout ce qui se passe, mais c'est ce qu'annonçait Ésaïe dans ses prophéties. Puisque le texte dont parle Jésus, n'avez-vous pas lu la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle? Donc là, on est dans une image agricole, vinicole, mais pas dans une image architecturale. Mais c'est le même sens. S'ils avaient bâti un édifice, il y a une pierre qu'ils rejettent. Là, ils sont fermiers d'une vigne. Mais il rejette le propriétaire qui en veut les fruits. Donc ça revient exactement au même. Mais cela est venu du Seigneur, et c'est un prodige à nos yeux. C'est incroyable. C'est incroyable que le Fils de Dieu soit si maltraité, alors que depuis Moïse, et même avant, sa venue est annoncée. Et Jésus peut dire ailleurs, Jérusalem, Jérusalem qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. C'est pour ça que cette parabole est une parabole du rejet. Elle annonce, c'est en train de se produire. Enfin, elle annonce, puisque Jésus n'est pas encore crucifié. Mais il est déjà rejeté, contesté par l'élite d'Israël, même si le peuple l'acclame. Et ça va se voir au jour des rameaux, en particulier. Alors Jésus est le Fils, il est la pierre d'angle, la pierre d'achoppement. Alors pourquoi il y a un achoppement? Nous n'admettons pas que nous ne sommes pas propriétaires de la bénédiction de Dieu, nous n'en sommes que les bénéficiaires. Mais parfois, peut-être certaines personnes peuvent nous considérer comme des propriétaires de la grâce de Dieu et s'en sentir exclus, non? Oui, c'est-à-dire qu'on a... Alors, dans notre pays, depuis de nombreuses années, on distingue les pratiquants et les non-pratiquants.
C'est ça. Donc, chaque fois qu'on fait les statistiques, que ce soit chez les catholiques, chez les protestants, chez les évangéliques, les instituts de sondage vont dire qu'il y a tant de catholiques en France, dont 15% de pratiquants. Tant de protestants, dont 20% de pratiquants. Tant d'évangéliques, dont là on est un petit peu plus haut, 60-70% de pratiquants. Et tant de musulmans, dont tant de pratiquants. Alors cette façon de scinder les pratiquants et les non-pratiquants, ça met dans l'esprit de tout le monde que le seul et le vrai légitime chrétien, c'est celui qui pratique. L'autre n'est pas légitime. Alors que Jésus, lui, insiste sur la foi, il n'insiste pas sur la pratique. La pratique découle de la foi. Et la question, c'est, est-ce que j'ai foi en Dieu dans les actes quotidiens? Il y avait un témoignage dans notre église dimanche dernier, quelqu'un qui dit, je suis passé à la caisse du supermarché, on m'annonce 500 euros de facture, et je savais qu'il y en avait pour 1200 euros. Qu'est-ce que je fais? Voilà. Ben, il a été pratiquant. Ça ne veut pas dire qu'il était là au culte le dimanche. Il a été pratiquant parce qu'il a dit à la caissière, écoutez, je crois qu'il manque quelque chose parce que ça vaut plus que ça. Mais tout ça parce qu'il s'est rappelé que la parole de Dieu dit, pas de faux témoignage, pas de vol. Donc, ce n'est pas la pratique cultuelle qui compte, mais c'est il intègre dans sa vie de tous les jours sa foi en Jésus-Christ. Alors que d'autres pratiquent au sens qu'ils sont tous les dimanches à la messe ou au culte, mais dans leur quotidien, ils font comme si Dieu ne disait rien et tant pis ce que Dieu dit, je fais ce que je veux. Donc, il faut revoir ces notions pour savoir qui est légitime, qui ne l'est pas. Mais au-delà de ça, même quand on est légitime, nous ne sommes pas propriétaires. Nous sommes allocataires. Dieu nous alloue sa grâce pour que nous la partagions avec l'autre. Merci à tous, merci Luc, merci. Et à bientôt pour une nouvelle parabole.